L'espoir en 2100 ans, il faut déjà qu'on soit généreux, qu'on ne prend pas aux autres ce qu'on n'a pas besoin. Voilà, la générosité, c'est ça. Et je crois que ça me donne envie, encore plus envie de me battre, d'essayer de donner à ceux qui n'ont pas de voix, de pouvoir imaginer dans 80 ans. Pour moi, c'est très important qu'on repense la pensée du monde, du monde de demain, du monde d'aujourd'hui, comment regarder ce monde. Quand on parle de développement d'un pays, on croit très peu à l'industrie culturelle. Et moi, je crois qu'il y a dans l'outil développement, la culture est extrêmement importante.